Le tourisme à présent, le tourisme est un dossier à suivre dans ce 19h. D'abord, le Salon international. Il a ouvert ses portes ce matin au Palais des Expositions d'Alger, une 13e édition qui voit la participation de 256 exposants, dont 25 étrangers. Rafik Hamidesh était sur place et il a découvert un stand un peu spécial, un stand pour non-voyants. Il propose tout simplement des sites touristiques sur la carte géographique en braille. Les sites touristiques d'Algérie, comme si vous y étiez. C'est à travers une image diversifiée d'une Algérie unie que l'Office national du tourisme a voulu promouvoir la destination de notre pays, mettant en exergue les différentes régions, leurs potentialités historiques, culturelles et traditionnelles. Donc aujourd'hui, il y a eu l'ouverture du CITEB dans sa 13e édition et qui a pour objectif la valorisation donc, de la destination Algérie, l'encouragement du tourisme interne, tourisme des nationaux, la promotion de l'investissement, la consolidation également des relations entre les différents partenaires dans le domaine du tourisme. Afin de promouvoir plus la destination Algérie, de nouvelles techniques de communication sont introduites. L'Algérie, sur le bout des doigts, en est une. Une louable initiative qui permet aux non-voyants d'avoir une idée sur la carte de leur pays et la situation géographique de chaque ville. Donc, la construction d'un espace non-voyant, c'est un espace qui est donc destiné à la catégorie, à cette catégorie de citoyens. L'objectif escompté à travers cet espace est d'attirer l'attention donc sur l'immatériel, le côté immatériel de la destination Algérie. Avoir la carte, chacun a sa manière de voir l'Algérie. Mais maintenant, du fait qu'il y ait cette carte, tout le monde trouve ses repères. On trouve nos repères, on trouve on connaît ce que c'est que quelles sont les villes du sud, de l'est, vers l'ouest, au nord et ainsi de suite. Autre originalité à ce salon du tourisme, l'espace enfant ou le CITEF Junior, une manière d'inculquer aux jeunes enfants la culture du tourisme. Le tourisme toujours et encore, et prenons l'exemple d'une ville très prisée à l'extrême sud. Il s'agit de Djanet. Depuis les derniers événements dans la région, aux frontières avec le Mali notamment, l'instabilité sécuritaire a poussé les touristes, les visiteurs étrangers à bouder la wilaya. Un manque à gagner pour les agences de voyage, mais aussi pour les artisans locaux. Kamel Swig est parti à leur rencontre. Reportage. Bienvenue à Djanet. À l'entrée comme au centre de cette ville touristique, on sent un calme inhabituel. Les touristes étrangers ne s'aventurent plus dans cette région frontalière avec la Libye. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur l'économie de la ville et sur l'investissement dans le tourisme, selon le vice-président du syndicat national des agences de voyage. Nous avons été vraiment très perturbés. De chaque moment où nous pensons que ça va continuer, il y a un empêchement qui fait que ça fait des coupures. Ce qui fait que notre investissement envers le tourisme ne peut pas se faire. C'est impossible. Nous, les anciens, connaissant la profession, nous ne pouvons pas investir dans ces trucs-là. Mais en ce moment-là, nous sommes vraiment... Même un problème avec les caisses d'État. Nous ne pouvons même pas payer ce que nous avons droit à l'État. Et au moment où les agences de tourisme croulent sous les dettes, le secteur de l'artisanat vit ses moments les plus difficiles. Chez cet artisan, les produits ne trouvent plus preneur. Il m'arrive de rester des jours et des jours sans vendre un seul objet. Les touristes se font de plus en plus rares et sincèrement, je ne vois aucun avenir à ce métier ancestral. Mes deux fils que j'ai formés depuis des années se retrouvent au chômage. C'est la misère, quoi. Et pour que nul n'oublie la beauté du Tassili Nager, l'Office national du parc du Tassili compte bien trouver des alternatives afin de booster le tourisme à Djanet. Aussi une réflexion de voir s'il y a possibilité de faire de circuits, c'est-à-dire aménager et aussi faire des messages pour les visiteurs nationaux, c'est-à-dire travailler aussi pour les nationaux, les attirer, faire de la promotion de cette région au niveau national. Et ça va être concrétisé peut-être dans, il y a une manifestation, le salon du tourisme, où on va discuter avec les opérateurs du tourisme sur ce nouveau programme.
La dernière saison touristique est qualifiée de catastrophique par les agences de voyage dans le sud. Le tourisme local sauvera-t-il la prochaine saison ? Seul l'avenir nous le dira.